On va faire une nouvelle partie. On va mettre ça en standard. C'est pour pas faire trop ma moumoune non plus. J'espère ne pas regretter de manger en jouant. Il y a bien longtemps, une petite fille s'en alla avec sa mère cueillir des baies pour son père qui travaillait d'arrache-pied. Mais la forêt les accueillit avec un silence froid et pesant. Les buissons étaient vides. Déterminée à trouver des baies, la petite canaille lâcha la main de sa mère et disparut entre les arbres. Les cris inquiets de sa mère s'estompèrent rapidement à mesure que la fillette courait, s'enfonçant de plus en plus dans la forêt. Commençant à se sentir observée, elle se rappela les histoires effrayantes que lui contait sa mère et sa gorge devint toute sèche. Le seigneur des chauves-souris apparut. Il la salua chaleureusement et se mordit l'aile. « Viens, mon enfant, étanche ta soif, » dit-il. Elle but son sang noir et épais et sourit de bonheur. Tandis qu'elle traversait un cimetière, des nuages menaçants recouvrirent le ciel et l'air se glaça soudain. Maigrement vêtu, l'enfant frissonnait, mais un tisserand sombre apparut et d'un claquement de doigts, il transforma la brume en une robe magnifique. « Bien, mon enfant, réchauffe-toi, » dit-il. Elle enfila le vêtement et sourit de bonheur. Elle navigua sur des eaux profondes et sinistres, à bord d'un bateau qui, espérait-elle, la ramènerait chez elle. Mais la faim resserra son emprise et son cœur s'alourdit. C'est alors que le roi des poissons apparut et lui offrit l'une de ses nageoires. « Viens, mon enfant, remplis ton estomac !» La fillette mangea et sourit encore une fois de bonheur. En même temps, sourire de bonheur, je veux dire, tu souris pas ta tristesse. Elle atteignit bientôt le cœur sombre de la forêt. Là, un destrier de fer apparut, paré d'un magnifique rouage en or. La créature ne dit rien quand la fillette s'approcha, pour saisir ce qu'elle pensait être un autre cadeau. Le cheval se mit en colère et appela les autres monstres. Le cœur de la petite fille s'emplit de peur alors qu'un vent féroce se leva autour des créatures. Soudain, vint une sorcière, ténébreuse mais majestueuse. Plus on t'en donne, plus tu en veux, grogna-t-elle. Maintenant, nous réclamons notre dû. En un instant, la fillette fut emprisonnée dans un miroir. Ça y est. Elle dort. Mais t'as pas des histoires moins flippantes? Elle a que 6 mois. Selon la vendeuse, c'est traditionnel. Un conte local. Tu lis cette merde-là et en fait 6 mois? Ça n'a pas l'air de gêner Rose. C'est surtout qu'elle comprend pas. Et heureusement, on s'est installé ici pour qu'elle grandisse sans tout ça. T'as oublié? Ma mémoire fonctionne très bien. Ok, ok. T'es trop parano. C'est juste... Non, laisse tomber. Désolé. Mais je suis pas parano. Je suis prudent. Dans ce cas, va prudemment mettre ta fille au lit. Je vais préparer le dîner. Mais moi pas l'enfant d'un mec, je suis la personne la moins qualifiée au monde pour tenir un bébé. Merde. Ta mère préfère oublier tout ça, mon cœur. Je peux pas lui en vouloir. Tu as dit quelque chose? Rien, je vais la coucher. Ok. Au bout du bébé, tiens. Ok. N'aie pas peur. Je l'ai dit à maman. T'es un peu petite pour ce livre. Bon, c'est-tu là, la chambre? Non, à moins que je la mette dans la toilette, mais non, je veux pas être poursuivi pour avoir noyé un bébé. On y est presque, ma puce. Ok, la porte s'ouvre toute seule. Ok. On va mettre ça dans le berceau, mettre Rose au lit. Et voilà, mon ange. Ne t'inquiète pas. Je suis juste en bas. Oh, tu as bien un monstre t'attraper.
Oh, il y a une pièce là. Cool. Oh! Quand ils ont appris qu'il y allait pas, ah, c'est cute! Oh! Un gros bébé, ça! Ouais. Ok, Rosemary Winters, est-ce qu'elle est née le 2 du 8e mois? Janvier, février, mars, avril, mai. Ouh! C'est-à-dire qu'elle est le 2 août ou le 8 février? Parce que c'est supposé se passer cette année, je pense. Ok. Rose va bien. Et ça, c'est quoi qu'il y a? Ah! Ok. Ça a été? Elle dort comme un bébé. Mais ça sent bon, ça, c'est quoi? Hé, hey, bats les pattes! C'est une ciorba de légumes. Une recette locale. Wow. Mm-hmm. Tu t'adaptes vite, toi, hein, on dirait. Même le vin est du coin. Mais si c'est pour faire la tête toute la soirée, il vaut peut-être mieux que tu touches pas. Il faut vraiment que t'arrêtes de t'en faire. Je sais, ma chérie, mais te retrouver en Louisiane, la grossesse, Chris qui nous amène ici, l'entraînement militaire, tout s'est enchaîné si vite. Mais au moins, on est ensemble. Toi, moi, Rose. Maintenant, je suis sûre que tu vas... Sérieusement ? Tu crois qu'on peut faire comme si rien ne s'était passé en Louisiane ? Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Franchement, je comprends pas pourquoi t'es si... The fuck? Mia, baisse-toi! Baisse-toi, Christina! Ça... Mia! The fuck? Je savais qu'elle allait sortir de... vu la bonne annonce, mais je m'attendais pas à ce soit aussi vite! Désolé, Ethan. Non! Putain! Pourquoi? Avance! Oh, ok. R.A.S. Qu'est-ce que vous foutez avec ma fille? Nous l'avons. Emmenez-le. Je vous interdis de la toucher! Ethan, non. Sortez-le d'ici. The fuck? C'est weird, hein, Chris. Oui, docteur. Bonjour, monsieur Winters. J'ai les résultats de votre fille et j'aimerais vous voir pour que l'on en discute, disons, jeudi prochain à 4 heures. Parfait. On y sera. C'était le docteur. Rendez-vous la semaine prochaine. Allez. Pas cette tête. On en a déjà parlé. Je sais. On ne parle quasiment plus que de ça. Et pour la énième fois, ce n'est pas Rose qui m'inquiète. Mais alors c'est quoi qui t'inquiète? Dis-moi. Elle dira bien, j'en suis sûr. C'est ce qui compte, non? Et nous, dans tout ça, je tiens à toi.
Tu vois pas que... Mais de quoi est-ce que tu me parles? Il y a quelque chose que tu m'as pas dit? Vas-y, parle-moi. Merde. Oh. Faut que je réponde. La fois. Peux-tu jouer là ou... Sécurisé sur un téléphone portable, un walkie-talkie. What the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Aucune idée, man. Abattre les cibles, récupérer le corps, sécuriser Rosemary Winter et Ethan Winters. Transporter les Winters jusqu'au site C pour des examens approfondis. Au moins deux soldats devront les accompagner. Il est hors d'usage. Ok, on peut pas aller ici, non. Ok, j'ai-tu des boutons, moi, pour utiliser quelque chose? La date, non. Oh, j'ai une map. Ok. Ah ouais, marche plus vite, Ethan. Il fait noir comme dans le cul d'un ours. Mais il y a du monde qui sont passés par là. Fait que j'imagine que je suis sur la bonne voie. C'est quoi? Oh, ok. Oh non, pas, touche pas un barbelé avec ta main. Christina, ça il s'est coupé. Au moins, il s'est pas mis le bat dessus. The fuck? Pourquoi il dit plume? Oh non, pas des oiseaux morts en plus! Oh, oh fuck! Non, ne regarde pas en bas, ne regarde pas en bas, ne regarde... Oh, mais il y en a des pendus en plus! Calice, je déteste les oiseaux! J'ai peur des oiseaux, man! Come on! Come on, come on... Ah! 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 Je déteste ça! Oh! Oh fuck! What the? C'est quoi ça? Je vais m'en aller, je vais m'en aller chez moi! Attends, je suis chez moi! Fuck! Non, mais je suis la merde! Mais Chris, on voit rien avec cette lampe-torche là! Y'a-tu quoi ici? Non! Rien là! Ok! Oh boy, ok. Oh. C'est pas bon signe, ça. Y'a quoi là-dedans? S'il te plaît, un gun, s'il te plaît. Oh. Quoi d'autre? Zinks! Oh, c'est pas bon signe ça! C'est pas bon signe! Ah, une tête d'animal! Je déteste les animaux empaillés!
se passe quoi, putain? C'est quoi ça? Pas ça. Oh. On dirait une photo de Jésus-Christ. Tu sais, les photos qu'il y a dans les églises, là, ou un portrait de ce que Jésus est supposé ressembler. On dirait une version de l'enfer de Jésus. The fuck? Il y avait ce symbole-là dans les bonnes annonces! Il y avait ce symbole-là. Putain de merde. Marco? Oh, c'est Popolo! Ah! Oh, baissez un peu son visiteur. What the fuck? Ok. Ok. Ok, une tête d'animal encore ici. Ouais, ça c'est le tampon. Ok, ça c'est tombé. Oh fuck. On va voir ce pétan. C'est pas bon, c'est que ça, tu sais pas ton sang à toi. Tu vises d'avoir l'hépatite C. Oh. Je sais pas. Ok, j'ai fouillé tout ce qu'il y avait à voir. Donc c'est au moins ça. Ok. Ok, ok. Attends, j'ai remonté le son, là, j'entends pas ce qu'il y avait dans cette... Excusez. Mais où est-ce que je suis? Wow! J'ai toujours voulu voir Poudlard de si près! Ah, oh, c'est pas Poudlard, c'est bien ça. Ok. Oh oh. Ok. Fais attention. Ok. Oh. Oh, dégueulasse. J'ai des frissons. Peut-être qu'ils sont sortis. Avec de la bouffe fraîche, mais en fait, je sais pas moi. Il y a plus de cheval là, tu me niaises! Il est pas aussi où le cheval? Y'a quoi ici, t'hostie? Oh, mamma mia! Ok, ça c'est la même place qu'ici tantôt. Ok. Pourquoi c'est en rouge? Il n'y a rien à trouver ici, non? À moins qu'en haut, il y ait de quoi. Mais comment tu veux que je monte en haut, moi? Là, je fais quoi? Je suis allé là, moi. Non, je suis pas allé. The fuck? C'est quoi ce bout-là? C'est pas bon signe, ça. Pas bon du tout, pas bon. Ok, donc là c'est... Fermé suite à la disparition du propriétaire. Ok. Ça, c'est verrouillé. Il y a pas moyen d'allumer une lampe torche de quoi? Non, ça c'est l'inventaire, c'est vrai. Ça, c'est pour parer, comme dans le dernier jeu. Bon, ok. Un peu de force. Ok, couteau, parfait. Yes!
On va essayer de mieux gérer l'inventaire que dans les autres jeux. Quelqu'un vit forcément ici. À moins que quelqu'un ait pissé dans un chaudron. À moins que ce soit du beurre fondu. Je ne sais pas. Je sais pas. Peut-être qu'il voulait faire des fondus parmesan. Du calme. Tabarnak. Qui êtes-vous? Qui vous envoie? Personne. Il y a eu un accident sur la route. Chut. Non, j'aurais pas dû le saut en 360 degrés! J'entends le bruit même pas derrière! Oh non! Ils arrivent! Qui sont? C'était quoi ce bruit? Vous avez un flingue? Quoi? Dites-moi que vous avez un flingue! Non, pourquoi? Fuck! C'est tout ce qui me reste! Prenez-le! Prenez-le! Ok! Ah! Il y a du bruit partout, man! Hey, j'allais me répondre! Hey! The fuck! Putain! Ok, là, il est mort! Il y a du sang qui coule! Oh, fuck! Il a pas tout fait longtemps, ce vieux-là! Il a quoi? Il a pas sali les spontanes! Shit! Ok. Allume dans la lampe torche, Satan! Il y en a d'autres. Oh, fuck. Ah, shit de merde. Ok. Oh, la vache. Ah ouais, tourne ta tête. Pourquoi je peux putain, pas? C'est quoi cet endroit? Ah! Colis! Heureusement, je suis pas sur ma grosse tête. Ah! 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 Fuck! Lâche pas! Pitié, pitié! Ah! Ah! Fuck de merde! Tabarnak! Oh putain de merde! Ah, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, tue-moi pas! Tue-moi pas! Fuck! Fuck! Pas ça que je voulais! Ah ouais! Ouais, j'essaie de sauver mes balles, si. Fuck! Come on! Soigne-toi! Soigne-toi! Yes! Come on! T'es mort, enculé! C'est quoi ce bordel? Merde, il me reste juste 11 balles. Fuck! Ouh, ça c'est pas pire. Il y a quoi d'autre ici? Oh, de l'herbe, ça aussi ça peut pas pire. Ok. On va retourner ici. Zoinks! Oh, cool. Y'a-t-il autre chose que je peux faire ici? Non. Ok. Coup de boulon.
Ok. Oh fuck. Ah ouais, ferme la porte. Oh, on peut barricader en plus. Oh fuck, y'a rien. Fuck de merde. Fuck, 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 fuck. Qu'est-ce? Oh. Pourquoi il y a quand même des assises? Oh! Fuck! C'est bizarre. Là, il me reste quoi? 22 balles. Ok, je vais checker de quoi. Je peux fabriquer. Ok, ben je vais utiliser ça, ouais. Ici. Ok, par là peut-être. Fuck. Ah là, par là, ok. Je suis dans ma direction. T'as essayé de quoi? Shit, 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 shit. Yes. Oh yeah, baby. Ignite. Objectif. Survivre à l'assaut, c'est tout! Bon, deux kits de soins. On va soigner le foie. Ok, j'étais quand même pas mal déranché. S'il vous plaît, je veux vivre! Il me faut deux poudres noires et deux ferrailles. Il faut que j'ai un chaque. Shit, ok.
Pourquoi tout le monde veut me tuer dans ce petit jeu-là? Il y en a de plus en plus. Fuck! Ah fuck! Come on! Oh no! Fuck! Ah tabarnak! Je suis la poule dans le caca moi! Yes! Fuck, 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 fuck! What? Oh merde! Oh yeah! Come on! Away, 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 away! Fuck! Yes! Oh, je suis dans le caca! Je suis trop dans le caca! Fuck! C'est pas bon signe ça! Yes! Attends, Et merde, on dirait la planète des singes, je la place à la planète des loups. Heureusement que c'est pas en VR. Heureusement que c'est pas en VR. Ok. Père Noël, pourtant j'étais très sage cette année, j'étais très sage, je vous le promets. Je vous le promets, Père Noël, je vous le promets. Je vous jure, je dirais plus à personne que vous n'existez pas. Père Noël? Putain! Oh, mon coude a craqué, ça n'a pas bon sens, ça fait mal. Shit. C'est dégueulasse. The fuck? Attendez. C'est bien weird. C'est qui ça?
bienvenue en enfer, ok. Attends, je vais aller voir de quoi avant. Il y a une maison que j'ai pas explorée qui va être à ma droite. Ça dit que je l'ai pas explorée au complet. C'est quoi, j'ai des affaires que j'ai manquées? Ah, ça dit pourquoi je l'ai exploré au complet du coup. Non, c'est cet étage-là que je peux pas tromper, ça dit. Ah là, poudre noire. Fuck. Bon mais là j'ai tout. Ce qu'il me faut. Ok. Ça commence en faisant fort dans le dash. Ça, j'ai tout exploré. Je pense que c'est ça. Non. Ok, là, j'ai enfin forgé que ça dit. Dans la vie et la mort, nous te rendons gloire. Madame, restez pas ici, c'est dangereux. C'est quoi ça? Hé, hey, vous m'entendez? C'est toi, le père de l'enfant. L'enfant? Attendez, vous parlez de Rose? Elle est ici? Rose, oui. Elle court un grand danger. Depuis que Mère Miranda l'a amenée au village, les ténèbres se sont abattues sur nous. De quoi vous parlez, de ces monstres? La cloche du château annonce le malheur. Ils arrivent. Attendez, où est Rose? Qui est Mère Miranda? Le glas sonne pour nous tous. Ça y est, ils reviennent. Rose est ici? Fuck. Chercher Rose. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner sacrément?